ma chérie, elle parle doucement, doucement. Ma chérie, n'aime pas les mouvements, mouvements. Mais j'aimerais l'emmener, l'emmener. Alors, toujours dans le cadre de l'événement, le gala des femmes noires inspirantes qui se tiendra le 18 mai au pavillon des Jardins, dans la salle, le grand salon, nous rencontrons maintenant la directrice de Miss Afrique Québec qui va sûrement nous dire deux mots. Bonjour madame. Bonjour Florent, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Alors, on aimerait comme ça que vous présentez rapidement en un mot votre nom et votre titre. Alors, je m'appelle Jocelyne Biolombo et je suis la présidente du comité Miss Afrique Québec. Alors, le comité Miss Afrique Québec a sûrement une certaine relation avec Africa Mondo. On aimerait savoir c'est quelle relation que vous entretenez avec Africa Mondo. Alors, je vous dirais d'avoir une relation de partenariat. Donc, on retrouve le mot Afrique partout. C'est vraiment la promotion de la femme noire dans toute sa beauté, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, après Miss Afrique, on se retrouve au gala des femmes noires inspirantes pour justement valoriser toutes ces femmes-là qui font bouger la société et qui nous permettent de nous exprimer au-delà de nos frontières. Et pouvez-vous nous donner quelques raisons pour lesquelles Miss Afrique s'est engagée dans l'organisation de cet événement, s'est engagée avec le monde pour cet événement? Alors, comme vous le savez, Miss Afrique est la femme qui désire ouvrir. Donc, Miss Afrique est une plateforme qui permet à la jeune femme de se développer personnellement. Participer à de tels événements va vraiment venir rejoindre cette mission-là, venir mettre de l'avant les femmes, pas juste les jeunes, mais les femmes noires, les femmes afro-descendantes. Donc, c'est sûr que permettre aux candidates de participer à ce genre d'événement, ça leur permet d'avoir une figure, des personnes qui les inspirent pour elles aussi un jour devenir ces femmes-là qui réussissent. Alors, en dernière question, quel est le message de Miss Afrique Québec à toutes les Miss, à toutes les femmes qui sont à Québec par rapport à cet événement, par rapport à cette soirée du 18 mai? Alors, nous lançons l'invitation à tout le monde, pas juste les Miss, toutes les candidates, toutes les femmes noires et qui soutiennent la cause noire de venir massivement participer à cet événement parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Merci beaucoup et puis on se retrouve le 18 mai. Merci Gaspo. Merci beaucoup. Un homme riche, pas un des noms nommés riche. Et faire du shopping caviar et non du riche. Amen, amen, c'est Dieu qui t'a.